prestation de notre part, marquer 99 points contre une équipe aussi intense et aussi physique que Juvisy, ça a montré des vertus collectives. Donc c'est dans la continuité de ce qu'on venait faire sur les dernières semaines. Maintenant, bon, Juvisy, c'est un petit peu du passé. Là, il y a Bruet qui nous attend là ce week-end, qui eux vont venir pour faire un coup et vouloir battre le leader. C'est une équipe qui joue sur les vertus collectives. Il y a des joueurs dans cette équipe qui peuvent faire la différence, mais c'est quand même voilà, sur le collectif qu'ils essayent de briller, même si c'est vrai qu'il y a Pierre-Joseph Haute, qui est un gros shooter, donc qu'il faudra réussir à contrôler. Mais il ne faut surtout pas se dire que les autres à côté ne vont pas jouer, parce que sur les derniers matchs, il y a des joueurs qui ont réussi à briller. Donc à nous de bien défendre sur l'ensemble de cette équipe-là. Tous les compétiteurs qui soient veulent taper le leader. Hein. Maintenant, à nous d'être beaucoup plus solides que l'adversaire si on veut continuer à maintenir cette place-là. L'équipe qui réussira à battre le leader, elle sait parfaitement qu'on va un peu parler d'elle. Donc à nous maintenant de continuer à être intense, à être dans notre philosophie de jeu pour essayer de faire un bon match et de maintenir cette première place le plus longtemps possible.